Mes chers Pancrisses, bonjour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et encore une fois, nous sommes réunis ce matin pour la gloire de Dieu. Et en esprit, en vérité, nous sommes tous ensemble. Et nous connaissons par la grâce de Dieu, très bientôt, nous pourrons réunir en grand nombre dans nos églises. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, c'est la Sainte-Seine. Et avant le message, laisse-nous donner mon Dieu la grande première place. Lève-nous la voix tous ensemble. D'un commun accord, laisse-nous proclame la grandeur de Dieu. Père très saint, dans le suprême, glorieux, puissant, magnifique nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la grande puissance du Saint-Esprit de Dieu, de feu et de la flamme, Papa Saint-Esprit, sans toi, nous sommes incapables. Et avec toi, nous triomphons, Papa Saint-Esprit. Aide-nous, Papa, pour la gloire de ton Saint-Nom. Prépare la table, le cœur de tout un chacun, chacune, qui écoute ce message, afin que notre esprit, notre âme, notre corps l'y libéré, Papa. Afin que nous soyons toujours la tête, jamais la queue. Prospérer dans tous les domaines spirituels, physiques, matériels, financiers, pour la gloire de ton Saint-Nom. Père très simple, vous dites merci, merci, merci. Tout est possible pour ceux qui croient. Seigneur mon Dieu, béni, béni, tout un sacré, sacré, tu peux écouter ce message pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Bonjour, Vache. Il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Shalom. Gloire, alléluia. Oh, gloire, alléluia. Il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Shalom, gloire alléluia. Oh, gloire alléluia. Mon Dieu, ni mon papa, ni mon papa, ni mon papa. Jésus-Christ, ni mon grand frère. Saint-Esprit, ni mon consolateur, gloire alléluia. Oh, gloire alléluia. L'Éternel, ni mon berger, ni mon berger, ni mon berger. Jamais mon pour m'entendier. Lui conduit à moi dans les vrais pâturages. Il reste mon âme. Oh, il reste mon âme. Alléluia. Il reste mon âme. Alléluia. Alléluia, il reste en mon âme. Alléluia, il reste en mon âme. Il est Jéhovah. Il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Shalom. Gloire, alléluia. Ni mon papa, ni mon papa, ni mon papa. Jésus-Christ, ni mon grand frère. Saint-Esprit, mon consolateur. Gloire alléluia. Oh, gloire alléluia. L'Éternel. L'Éternel, ni mon berger. Ni mon berger, ni mon berger. Jamais mon pour m'entendrer. Pâturage, il reste au bon âme. Oh, il reste au bon âme. Alléluia, il reste au bon âme. Alléluia, il reste au bon âme. Alléluia, il reste au bon âme. Jésus, mon âme t'adore. Jésus,
mon âme t'adore. Jésus, mon âme t'adore. Jésus, mon âme t'adore. Jésus, mon âme t'adore. Mon loué-toi, mon béni-toi, mon radeau-toi, mon celui papa. Jésus, mon âme t'adore. Jésus, mon âme t'adore. Jésus, mon âme t'adore. Mon loué-toi, mon béni-toi, mon adore-toi, mon grand Saint-Esprit. Mon loué-toi, mon béni-toi, mon adore-toi, mon grand Saint-Esprit. Jésus, mon âme t'adore. 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 Loué, loué, loué. Et loué, loué. Shalom. Et loué, et loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué l'éternel de tout mon lit. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué l'éternel de tout mon lit. Jéhovah Jireh, celui qui pouvoir, Jéhovah Rapha, celui qui guérit, Jéhovah Shalom, qui donne la paix. Et loué, et loué, et loué, 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 et loué, 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 loué l'éternel de tout mon être. Loué, 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 loué. De tout mon égard. Loué, 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 accompagne-moi, Saint-Esprit, de mon grand camarade. Que tu m'auras, tu accompagne-moi. De mon consolateur, de même mon avocat, tu intercèdes pour moi et tu prier pour moi. Partout que tu m'auras, mon capable contre toi. Saint-Esprit, n'a pas peine d'ennuyer. Même si les autres n'ont pas compte en moi, c'est qui est pourtant dedans mon côté. Nous les ensemble, une équipe imbattable. Amen. Voilà, comme d'habitude, tous les dimanches, nous vous aimons bien, bien, bien être nourris par la sainte parole de Dieu. Rappelez-vous bien. Parmi mon premier message de Jésus-Christ de Nazareth. Et
une grande préparation qu'il fait. Quand il finit par le baptême, 40 jours, 40 nuits dans le désert. Regarde sa même préparation là. 40 jours, 40 nuits dans le désert. Après avoir gêné 40 jours, 40 nuits, Jésus-Christ, comme homme de Dieu, il gagne faim. Les diables regardent lui, déguisé en ange de midi, dit, si tu es le fils de Dieu, faites que ce pierre devienne du pain. Amen. Regardez l'état d'âme de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quel était son état d'âme? Il s'y parait. Il s'y préparait pour refuser ce qui ne vient pas de Dieu. Alors, au titre de ce message de ce matin, nous vous disons l'état de ton âme. Si on veut parler de quel est l'état de ton âme, ou bien l'état de ton âme. Mais c'est un point en Christ, il est très très important. Beaucoup de fois, nous disons ben, quelqu'un qui est dans le monde, nous prions mon Dieu de la Trinité. Là, je dis, oh bon, de mon Dieu à trois, ça veut dire une seule, je ne pas les comprendre. Dieu de la Trinité. Alors, maintenant, nous vous disons ça à quelqu'un, hein, moi j'ai dit un camarade, mais vous parlez quoi que Dieu est Dieu de la Trinité? Il dit non, pas possible. Je m'en prends un seul bon Dieu pour prier là-haut seulement. Moi je dis, ben, comment vous avez un seul bon Dieu pour prier là-haut seulement? Rappelez-vous bien ça, bon Dieu qui crée où là? Qu'est-ce qu'il dit? Il crée où à son image, à son ressemblance. Mais ben, vous-même, vous qui faites cause avec moi, mon frère, qui parlez quoi au bon Dieu? Ah, mais on a trois dans où? Dieu crée à son image, à son ressemblance. Il y en a trois. Dieu est esprit, âme et corps. Il y en a trois. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais aussi, il y en a trois. On a l'esprit, l'âme et le corps. Et Dieu crée à son image, à son ressemblance. Donc, comment on ne peut pas comprendre ça? À partir de là, il s'appuie la tête. Parce qu'il y a un mondain. Il dit, moi, ben, moi, vous avez réfléchi là. Il a réfléchi ce qu'il a dit. Il va vous retourner. Vous pensez, vous devinez tous ceux lesquels Dieu connaît la vérité. Connaître la vérité, il y a une question qui n'est pas facile pour faire y passer. Très bientôt, vous prenez un message. L'or, le prix de vérité. Préparez-vous pour vous de ce message-là. Le prix de vérité. Un grand, grand, grand prix où vous avez payé. Nous vous avons payé. Christ a payé pour la vérité capable de traverser sa planète. Là. Mais moi, ça ne passe pas ça aujourd'hui. Quel est l'état de ton âme ou bien l'état de ton âme? Amen. Maintenant, quand on retourne tout le temps de l'origine. L'origine, l'origine. Quand Dieu fit créer Adam avec elle-même, ou comme ça tellement bien l'origine, bon Dieu, tu prends la poussière bénie, bénie de la terre, la poussière en eau, dans le jardin d'Éden, ou par l'hier, pour te retenir la rivière, si la ban, comment tu dis, ruche. Et c'est là aussi la poussière en or. Et que la poussière bénie, bénie, parce qu'il a péché, et tu fais un homme pour la planète Terre. Hein? Dans le jardin d'Éden, en Mésopotamie. Maintenant, quand il finit que ça, cette image, un homme, tu dis, oh là là, mais il est incomplet. Et en ce moment, Dieu dit, que l'homme soit, rappelez-vous bien, une soupe de vie. Sorti dans le ciel, puis il rentre dans Adam, il gagne comme un courant, il bouge. Maintenant, ça aussi, on ne pas encore bouger, il rentre dans lui. Maintenant, cette fois-ci, Dieu dit, oh là là, il manque encore quelque chose. Qui manquait cette fois-ci? C'est l'âme. Même qui Jésus, mon Dieu Tout-Puissant, il soufflait dans la narine d'Adam, une humidité dans l'écho de Dieu, sorti dans Dieu, il rentre dans sa écho Adam là, ça me capte l'âme. Ça me capte 10 ans. Donc, d'origine même entre nous, il y a trois. Nous ne sommes pas capables de dire le corps, l'esprit et l'âme. Là, nous, on en vient là. Quand nous passons le bon Dieu, nous disons le corps, l'esprit et l'âme. On dit non, mets-toi en ordre. L'esprit, l'âme et le corps. Bon Dieu qui nous crée nous comme ça. L'esprit, l'âme et le corps. Alors, quel est l'état de ton âme? Pour qu'on puisse bien comprendre, Simon Boudjuro, Jésus-Christ de Nazareth, il vit dans la terre,
Le parvenir tout à fait, écoute-moi bien, moi précise mon mot, pas tout à fait pour guérir les malades. Oui, il pour guérir les malades, mais le parvenir principalement pour guérir les malades. Il vient principalement pour guérir nos âmes. Nos âmes qui sont malades. Ce qui est plus grave. Maintenant, aucun spécialiste, aucun docteur, aucun magicien, aucun quelqu'un scientifique capable de guérir l'âme d'une personne. Personne de la terre n'est capable de guérir l'âme. Si Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, capable de guérir l'âme. Quel est l'état de ton âme? Alors, pour gagner l'idée claire, si un quelqu'un et qu'un quelqu'un ou bien des méchés pour la guerre, car l'autre coupe pas un coup de pied, sont capables de blesser, mais après quelques temps, sont capables d'oublier tout. Qui fait l'écolène blessé. De l'écolène blessé. Mais si maintenant, ce qui est plus grave, quand un quelqu'un, un camarade, à une certaine distance, disons un 10 mètres, 30 mètres, distance, je vais discuter. Je ne suis pas prêt. Discuter. Ça quand peut dire une parole blessante envers ce camarade. Arrivé à un certain moment, un entre les deux, soit pour exciter, pour n'y avoir pas en colère, lui pour te rapprocher pour la guerre. Ou si ce n'est pas ça, un entre les deux pour plaire. La question se pose. C'est de 30 mètres distance, peut-être plus. Est-ce que c'est tous les camarades? Non. N'avez-vous un coup de rose? Non. Un coup de tibouin? Non. Moi, oui, Djaou, ça délecole là, pas de du mal. Pas de blessé. Mais comment se peut-il un excité nerveux ou bien lui plairait? Qui est blessé? C'est l'âme. La parole satanique, diabolique, diable, il fait une comme ça, c'est mes paroles méchantes. Il blesse l'âme. L'âme est à l'intérieur. Alors, pour nous comprendre, est-ce qu'il vraiment est dans l'esprit, l'âme et le corps, ou bien 1 Thessaloniciens chapitre 5, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 5, et verset 23, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Voilà, il dit que le Dieu de paix, amen. Comment bon Dieu l'appelait? Si bon Dieu l'appelait, il y a beaucoup de fois, il a dit comme ça, que la paix soit le bon Dieu. Que la paix soit sur toi. Mais c'est Jésus-Christ qui l'a paix. Comprends-tu ce que je veux dire? Il a beaucoup de temps de t'appeler comme ça, que la paix soit sur lui. La paix soit sur lui, soit un prophète. Non, non, Jésus-Christ est la paix. Il est le prince de la paix. D'accord? Il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Entier au pluriel. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et entier au pluriel. Qui sent bon Dieu là? Sanctifiez-nous. Il appelle bon Dieu de paix. Qui vous sanctifie? Et que tout votre être, tout nous êtes. Combien d'êtres nous avons? Esprit, l'âme et le corps. Écoute bien, il ne faut jamais mettre la charrue devant le bœuf. Bœuf devant, charrue derrière, et là, il ici. Tu mets charrue devant, bœuf derrière, aucun problème. Comme ça, maintenant, du monde, tu mets tout en envers. Qu'il dit là? Que tout doit être, premier quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Donc, nous arrivons à comprendre l'esprit, l'âme et le corps. Dieu même, il a envie de guérir nous l'esprit d'abord. Dieu Tout-Puissant, il ne communique avec nous le corps. Il communique avec nous l'esprit. Saint-Esprit communique avec nous l'esprit pour guérir nous l'âme. Jésus communique avec nous l'esprit pour guérir nous l'âme. Maintenant, si vous regardez un petit coup, s'il vous plaît, plus clair, à dire que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que toute votre être, esprit, âme et corps, tu peux arriver? Esprit, âme et corps, et soit conservé, irrépréhensible, amen, lors de l'avènement
de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ pour retourner, amen, nous l'esprit tout d'abord mis en homme, nous l'âme, bien les nous les corps. Je vous explique dans mon message avant, de ce que nous l'âme, il paraît comme un chauffeur dans une voiture. Voiture là, ça a une l'écho, ça. Chauffeur là, il y avait l'âme. Si chauffeur là, vous donnez une Maïnon, il contient bien. C'est un bon chauffeur. Un Mercedes, il contient bien. Mais si un quelqu'un se l'âme malade, le chauffeur là, pas pris la licence, vous donnez une Maïnon, il écrase. Il y a une Mercedes, il écrase. Tu veux dire l'âme. Quand nous l'âme guérit, on est capable de sentir bon à papé à noyer, bon à peine à tracas, Saint-Esprit avec moi. Saint-Esprit dans nous l'âme. Maintenant, nous l'âme, nous avons une définition plus claire. Qu'est-ce que Jésus-Christ de Nazareth est venu faire sur la terre? À nous que d'un coup. Vous lisez un petit coup Luc, chapitre 4, verset 18, s'il vous plaît. Vous connaissez ça bien. Mais tout nous connaissons par cœur, Luc 4, 18. Beaucoup de fois dans le presse là, mais il va vous parler aujourd'hui. Est-ce que nous étions un petit peu à la lettre? Luc, chapitre 4, verset 18. Voilà. Il dit, Luc 4, 18, l'Esprit Jésus-Christ qui peut causer là. Il peut dire, l'Esprit est capital, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est comme Dieu Jésus-Christ vient comme un homme, pas comme un bon Dieu. Il dit, bon Dieu, l'Esprit Saint-Esprit, il demande l'onction. Si tu dis bon Dieu, mais qui l'onction est brûlée? Il y a une onction, bon Dieu, une onction. Il finit comme un homme. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer tout d'abord quoi? Une bonne nouvelle aux pauvres. Il va dire, l'onction bon Dieu nous manque pour guérir tout le malade. Ben, la grippe, mal de la tête, ben, cancer, diabète, tout ça. Non. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle. Quand la bonne nouvelle pour entrer dans le corps? Dans l'esprit, dans l'âme. C'est cette partie qui me suit avec le l'esprit d'âme, d'accord? Alors, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer tout d'abord une bonne nouvelle aux pauvres. La parole de Dieu. Il parle dans le corps, dans l'esprit. C'est pourquoi quand nous vivons l'église, nous disons, écoutez attentivement. Si nous l'âme malade, nous l'âme pour guérir. À travers la parole. Amen. Pardon. Il m'a dit pour guérir nous là. Mais après, il dit, tiens, il m'a envoyé pour guérir quoi? Guérir quoi? Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah. Pour guérir ceux qui n'ont le cœur brisé. Le cœur brisé veut dire ben, l'esprit abattre. Encore pas les causes. Le cœur, c'est l'esprit. C'est ce qu'il me dit, bon Dieu, envoie-moi pour guérir ben, l'esprit. Les qui est brisé, mais l'esprit qui abat, l'esprit tourmenté, bouleversé, l'esprit. D'accord? Après, il vous guérit l'âme aussi, là, d'accord? Guérit l'esprit qui est brisé. Après, quoi? Et pour proclamer aux captifs. Captif veut dire prisonnier. Quand captif veut être prisonnier. Mais tout ça, millions du monde de la terre là. C'est pas de la prison, ça. C'est de l'école libre. Qui prisonnier ne peut causer? Tu ne peux pas être prisonnier de ton âme. Ton âme, l'y renfermer, l'y blesser, l'y sacrer, l'y tracas. Vous voyez, c'est un peu plus vite, d'accord? Alors, au captif, la délivrance. Au capable prisonnier de l'âme, où l'âme, où l'esprit abat. L'esprit abat, où l'âme tourmentée, bouleversée. Dans où l'âme est dans sa crainte. L'un côté, dans où le sentiment, où l'émotion est dans sa crainte. Il y a un tracas, il y a la peur, il y a la blessure, il y a un péché. Amen. C'est ce que nous venons pour libérer l'âme. Il dit, pour programmer aux captifs la délivrance. C'est où l'âme qui vient délivrer. Il n'y a pas beaucoup de malades cancer, j'avais étudié là, d'accord? Ouais. Après, il dit, et aux aveugles, le recouvrement de la vie. Encore les affaires spirituelles. Il dit, un aveugle, pour être au clair. Mais tout le monde est là d'Élysée. Vous rappelez Élysée, la montagne, pour Géasi. Géasi, tu gagnes père. C'est un grand soldat qui a côté la tente, tu craquais. Un, deux rois, chapitre 6. Vous rappelez? Qui Élysée, tu fais? Tu priais pour Géasi, tu dis Seigneur, ouvre ce lycée spirituel.
Et les autorités spirituelles vont y trouver beaucoup de soldats plus qui savent de l'ennemi qui est là. Donc, tous les trois spirituels, hein, c'est ce que je voulais pour ouvrir nos lisiers spirituels. Nous avec. Tous ceux et celles qui, par contre, sont créateurs, par contre, bon Dieu, par le ciel, bon Dieu, sont avec. Ce n'est pas envie contre sa grande bonté, de la guerre avec vous. Là, quand nous croyons un vrai bon Dieu vivant. Ce n'est pas content où qui perd. Parce que ce captif, ce esprit bloqué, ce clame bloqué, pas ce l'écho, ce clame les pieds pas balancés, mais ce l'écho, ce l'esprit, ce clame bloqué. Ça m'a besoin de la guerre avec vous. Ce n'est pas de quoi ça, mon Dieu, là. Ça me devient captif. Maintenant, avec, ben avec spirituel, c'est ce que ce premier travail qu'il nous fait dans la terre, l'invini, pour libérer les captifs, quand vous aurez guéri les malades. Après, nous vous guérir les malades. Amen. Quand l'âme est guérie, ça me chauffait là, l'autre là pour le bien. Quand l'esprit est libéré, c'est un truc comme lui où l'esprit guérit l'âme, en ce moment-là, où les corps vous guérissent. Vous pouvez donner certaines catégories du monde. L'année allée, l'année venue, l'année allée, l'année venue, rayon le rayon, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il va les délivrer. Il la guerre, les disputes, les miens mirés, il est en colère, il rebatté, il retouillé, qui fait cela en panne guérie. Les vignes, les vignes, consoler, comment pour guérir jamais? Prenez ce l'âme, ce l'esprit communiqué avec Saint-Esprit. Ce l'âme guérit, en ce moment-là, ce l'écho pour guérir. Peu importe qui maladie qu'on a, quand l'âme guérit, ou l'écho pour guérir. Prenez l'âme fort. Amen? Donc, maintenant, laissez-moi regarder un petit coup, s'il vous plaît, encore l'origine. Hein? Si vous regardez un petit coup, s'il vous plaît, dans Deutéronome. Amen. Deutéronome, chapitre 5. Regarde ça. Deutéronome, chapitre 5. Merci, Seigneur. Voilà. Chapitre 5. Écoute bien, hein. Écoute ça. Si nous ne commençons pas, premier commandement, mais d'après comment il était dans la Bible, nous parlons, nous voulions, deuxième commandement avant. Qu'est-ce qu'il dit? Deutéronome chapitre 5, verset 7. Deutéronome chapitre 5, verset 7. Amen. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Hein? Voilà. Il dit comme ça. Tu ne feras point d'image taillée. Pas faire aucune statue, aucune idole. Right? Il y a le plus bien. D'ailleurs, il dit tu ne feras point d'image taillée. Et aussi des choses qui sont en haut dans les cieux, pas faire bondir les étoiles, pas faire bondir la lune, pas faire bondir quoi que le soleil, non, Banzas, non, pas faire ça, dans les cieux, après, qui sont en bas sur la terre, pas prier ban idole, ban dimounmo, ban zon, ban pied, non, ban oiseau, ban animaux, pas prier, allez, allez, qui sont en bas sur la terre, après encore, qui sont donc dans les eaux au bas de la terre, dans la mer. Il y a du monde prier la sirène. Il y a du monde le bon Dieu dans la mer. C'est non pénal. Ni bonnes images qui sont dans les ciels, les étoiles, la lune, soleil. Ni bonnes animaux qui sont dans la terre. Lion, tigre, l'éléphant, basse, zako. Non. Bon Dieu dit dans ce parole. Troisième, ni bonnes objets, bonnes animaux qui requin, qui la sirène. N'importe quelle autre affaire qui est dans la mer, tu vas prier. Bon Dieu, pas en colère. C'est le deuxième commandement, on ne va pas dire le premier. Hein, ouais. Maintenant, troisième commandement. Troisième commandement, écoutez-nous comme ça. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Là, quelque chose de très important. Écoute bien le peu de l'âme, là. L'état de ton âme. Il peut dire, pas prendre nom bon Dieu en vain. Quand il veut dire non, bon Dieu, qui non, il veut dire là? Sûrement, certains, plusieurs connaissent là. Qui non? Et ça, non, là, quand on dit, l'enfer vient en bas là-haut. Amen. Pas prendre ça, non, là. Là, dans l'Ancien Testament, il veut dire, tu ne prendras pas, point, le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Il a envie de dire, nous, il vous donne, nous, les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ça, non, là, pour un miracle, pour une guérison, pour une délivrance, pour une transformation. Dans le nom de Jésus. Pas prendre ça non là en vain.
Tu n'as pas bien prié, tu as mal, tu as un péché, tu as un pécheresse. N'a pas si avec le nom de Jésus. Pas que tu as 400 coups, tu as un coup. Tu as un coup, tu as 400 coups, tu as 400 coups, tu as le nom de Jésus. Il va mort, c'est ça. Jésus va en colère. Il s'est bon, dit bien, une commande de ne pas prendre le nom de Dieu, l'éternel ton Dieu, en vain. Ok? Maintenant, toujours Deutéronome 5, laisse-nous retenir un petit peu, s'il vous plaît. Et là, dans 10 commandements, il y a 4 commandements pour mon Dieu. Il y a 6 commandements pour l'homme. Laissez maintenant nous écouter encore un commandement qui est plus important. Deutéronome chapitre 6, chapitre 5, verset 6. Chapitre 6, verset 5. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Bon, la vie, regarde ça, qu'est-ce qu'il dit? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme. Amen. Qui m'aille pour content, mon Dieu. D'accord, oui. L'équipe veut dire que l'esprit et que l'âme, l'élève que la force. Amen. Il veut dire adore mon Dieu que le corps dit non, non, non. Adore mon Dieu et que l'esprit avec que l'âme, la force capable dans les corps là. Adore mon Dieu. Mais si elle est en Christ, là, on a 4 commandements pour Dieu. Je me fais regarder tout à l'heure. Et oui, tu ne feras point des images taillées et des images qui sont dans le ciel, qui l'ont la terre, qui ont la terre, pas faire ça. Et tu ne prends pas mon nom en vain, je l'éternel. Et troisième, il dit, garde le repos. Amen. Garde le repos. Chapitre 5 et verset 12. Oubliez tout à l'heure. Chapitre 5, verset 12. Alors, le jour du repos. Pour les sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a donné. Un jour nous reposer, nous commençons là pour mon Dieu nous prier. Il fait 4, 3 commandements. Mais premier commandement, mon Dieu, je ne prends pas 2, 3, 4. Ça me dit au premier. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime de tout ton cœur, ton esprit, ton âme et de la force. Amen. Pas mettre, s'arrête devant Ben, il ne pas commencer. Beaucoup de monde, ils priaient par l'intelligence, ils priaient par la force. C'est pas par la force, c'est par l'intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il communiquait avec tout l'esprit de l'âme. Alright? Right. Donc, maintenant, nous vous trouvez, il y a 6 autres commandements. Oui, dans le chapitre 5. Il y a 6 commandements, là, vite, vite. Amen. Chapitre 5. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 16. 6 commandements pour l'homme. Dans 10 commandements, nous détachons. 4 commandements pour Dieu. 6 commandements pour l'homme, l'eau la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous ne faites pas ça, l'eau la terre, vous ne pouvez pas votre bon Dieu. Si l'eau la terre, même pas capable de faire mon travail, qui mon Dieu me redit. Amen. Yeah. Au nom de ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que les jours, tes jours, se prolongeront et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Premier commandement pour l'homme, aime ton Dieu, pour Dieu, aime ton Dieu de toute ton âme, et pour l'homme, honore ton père et ta mère. D'accord? Maintenant, deuxième commandement pour l'homme, tu ne tueras point. On n'a pas tué, on n'a pas fait crime. Là, beaucoup de gens, frère, j'ai fait crime, moi. Moi, je n'ai pas beaucoup criminé l'autre à la terre, là. Un autre message vous gagnez bien clair pour très bientôt. Troisième, tu ne commettras point d'adultère pour l'homme. Quatrième, tu ne déroberas point, pas coquin, pas causement. Cinquième, tu ne porteras point de faux témoignages, pas causement, si l'autre camarade. Avec faux témoignages, l'autre camarade, attention, contre ton prochain. Pas faire de faux témoignages contre ton prochain. Sixième, pour l'homme, tu ne convoiteras point, ça c'est important. Écoute bien. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Amen. Tu ne désireras point la maison de ton prochain. Écoute bien. Pas besoin de compter femme de ton prochain. Pas besoin de tenter la case de ton prochain. Écoute ça. La case de ton prochain. Et aussi, ni jardin de ton prochain, ni son sang, ni son serviteur. Ton camarade n'a pas de serviteur, tu es pour jalouse, pour jaloux, ou pour tenter l'honneur, ni sa servante, ni son bœuf. Il y a beaucoup d'animaux qui peuvent prospérer. Tu n'as pas gagné droit
comment dirais-je, convoité. Tu as joué comme un bon sang, libéré ici. Non, non, non. Tu n'as pas une paix, ça, d'accord? Tu fais ça. Ni le bœuf, aussi bien que. Ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ou pas gagne droit, convoite, j'y viens au prochain. La terre au prochain, la case au prochain, l'auto au prochain. Non, non, non. Amen. Maintenant, tu vas jouer une affaire. Qui manque quelqu'un qui est dans cet état-là? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Hein? L'esprit, l'âme. Après le corps, premier commandement, ça. Ici, ça commence le dernier commandement, il peut dire, n'a pas convoité la case de prochain, jardin de prochain, les animaux de prochain, l'auto de prochain, voiture, ce rideau, ce linge, ce vêtement, il ne peut pas convoité. Maintenant, qui manque quelqu'un qui peut convoiter? Qui manque quelqu'un qui peut risquer la bête, ce rideau, ton camarade, sur la case de couleur, peinture, de peinture pareil. Et ce robe doit être pareil, ce costume doit être pareil, ce loto doit être pareil. Hein? Si tu vas à l'auto, il y a un sacré de bébé, ça, tu vas pouvoir le faire pareil. Amen? Tu gourres l'auto, tu te dis bien. Si un quelqu'un est comme ça, vous finissez de connaître sa djimouna, ce lame malade. Quand ce lame malade, l'apôtre l'enfant vous est pour lui. Aujourd'hui, on trouvait qu'un quelqu'un qui fait de la boutique, un homme qui fait de la boutique devant lui. Un autre fait un magasin, peut vendre la toile, un autre peut voir un magasin de la toile devant lui. Un autre magasin de chaussures, un autre peut devant un magasin de chaussures. Il fait ça par jalousie, une convoité. Ce l'âme malade. Quand tu montes ce l'âme malade, rappelez-vous bien, ce n'est qu'aussi pour malade. Ce gros cœur pour rendre malade. Ça me rappelle la jalousie des larmes. Et je vais dire entre parenthèses maintenant. Beaucoup fois, toi, un djimoun, il est malade, un chrétien, il est malade. Papa, on écoute ça sorti. Sans qu'il connaît, il y a une certaine qualité, mentalité du monde. Cette mentalité comme ça, pas capable de trouver progrès. Pas capable de regarder être en bonne santé. Monsieur, madame, peut être plané, puis elle mariage, pas capable de regarder ça. Monsieur, madame, l'habillé bien joli, pas capable de regarder ça. Mais sans qu'il connaît, ça va être du monde qui me regarde, mais jalousie là, appelle ça jalousie des âmes. Et puis convoite tout l'âme. En ce moment-là, ou à la case, si vous ne pas prier, ou pas briser votre mauvais regard, autant, ou pas briser votre prière des âmes là-haut, en ce moment-là, vous avez mal à la tête, vous avez souffert. Regarde le docteur. Maintenant, tu demandes qui est docteur qui est capable de guérir ou l'âme? Montre-moi un docteur, un psychologue. Ouais, docteur, on a beaucoup de sangrés dans mon lequel pour raconter toutes qualités histoires physiques et pas spirituelles. Docteur, on a beaucoup de sangrés. Docteur, mon émotion affectez-moi. Docteur, mon sentiment blessé. Docteur, on a sangrés. On a tracas. Mon bagage sommeil à soir. Qui me dit, donnez-moi un comprimé pour soul où? Mais il n'est pas capable de guérir où? Ou dans les rires, perdu l'argent. Seul quelqu'un capable de guérir l'âme. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais pas prendre son nom en vain. La prière de l'âme prend tous les temps, ça. Sa dixième commandement-là, il dit, oh, par un droit convoité. Mais combien de centaines de milliers? Aujourd'hui, l'humanité, le monde, met de paillage. Tout ce que vous faites, vous refaites plus que vous. Si vous dites, vous galoupiez l'argent. Tout ce que vous refaites, vous n'êtes pas capable de vous faire progrès. Donc, c'est la prière de l'âme. Que faire en ce moment-là? Mes enfants Christ, et ce matin, si maintenant, aussi ou l'âme malade, ou pas mettre la parole de Dieu en pratique, ou pas content au bon Dieu de tous les cœurs, tout l'esprit et tout l'âme, moi, on compte en bon Dieu dans votre lèvre, menti, puis l'église prier, alléluia, alléluia, danser, chanter, ouais, maman, top. C'est maintenant, regarde bien, ou l'âme, ou l'esprit encore bas. Vous feriez en combat là-haut. Si peine à la perte, mari, femme. Mais l'âme là, malade. Maintenant, pour l'écho, la Bible dit, mon tête fait mal. Mon ventre fait mal. Mon léseau par une équipe veut gagner. Aïe, trouvez-moi sentiment pas bien. Et je m'arrête un docteur. Qui docteur va le regarder? Ou l'âme malade. Docteur là, médecin de médecin, c'est Jésus.
Mais je me comprends moi. Amen. Alors, c'est pourquoi prêmer d'abord nous enfants bon Dieu. Nous ne sommes pas contents bon Dieu avec nous l'esprit que nous l'avons. Avec nous l'écho. Beaucoup de monde fait scène. Comment danser, chanter, piler. Maman, du monde qui était crié. Qu'est-ce que ça qu'on m'a fait prier? Qu'est-ce que ça qu'on m'a... Bon, si nous sentons nous danser. Je ne dis pas que c'est mauvais. Danser pour bon Dieu. Très bien ça. Tout le monde l'église pense que tu sentais danser. Ben quelqu'un qui sentait danser. Ben quelqu'un qui exhaut l'âme. Exhaut l'esprit libéré. Mais parfois, dans sa danse là, et dans ben quelques-uns, quelques-unes, j'ai l'esprit, j'ai l'âme, pas libéré. Je danse, je fais ben show business. Je suis retrouvé dans ces gars. David, qui sentait pour ce bon Dieu, qui dansait pour ce bon Dieu. Ce danser qui est spirituel. Ce l'âme qui est libérée. Il sortit, et quand il y a mouton, il vient les voir. Extra content, extra la joie. Ce l'âme libérée. Vous êtes dansé. Quand l'âme ou l'esprit libéré. D'accord? Pas quand le corps est libéré. Non, non, non. Amen. Alors, ceci dit, messieurs, en Christ, à tout à l'heure, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit que ce Dieu de paix vous sanctifie, sanctifie, purifie, lave, nettoie, sanctifie lui-même, tous nos bonnes ailes. Qui bonnes ailes? Comment il commençait? Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Esprit grand, âme grand. Les gros petits petits. Ou la même. Quand il fait les gros petits petits, le corps est super joli pour finir ça. Mais l'esprit d'âme pas pour finir. Éternellement, il est pour vivre. Amen. Alors, que voulez-vous? Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Ben, du monde qui compte en bon Dieu que j'ai l'âme, il y en a beaucoup. Mais seulement, tel qu'Abraham, même Abraham, tu comptes en moitié de cela pour être capable de donner ce garçon comme sacrifice. Si tu comptes en moitié de tout ce lequel, tout cela, et sur les corps, Abraham. Amen. Il y en a beaucoup, beaucoup. Seulement, mon bien vient content de lui, ça s'applique là. Peut-être qu'on est capable de donner un autre message encore, mais comme voulez-vous, il plie clair, il plie propre. Luc chapitre 7, verset 36. Amen. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Vous pouvez aller après. Et il vous montre au clair et net. Une madame qui est une madame pécheresse. Quand elle est pécheresse, il fait adulter. Vous avez dit Marie Magdala là, non? Pas Marie Magdala. Elle est madame pécheresse. Ce sert, il s'appelle Marie. Ce sert, il s'appelle Marie. Vous connaissez bien. Son frère s'appelle Lazare. Sa femme pécheresse là, celle calcule de la Bible qu'ils m'ont trouvé, et encore les autres femmes cananéennes, tout ça, mais sa femme pécheresse là, et celle calcule qui n'exerce un ministère extraordinaire. Elle a dit encore comment dit. Cette femme qui appelle Marie, quand il t'en parlait qui Jésus-Christ, il vit dans son endroit, il rentre dans la case d'un pharisien qui s'appelle Simon le Lébré, qui est une petite nation, ben juif, petite grande nation, ben samaritain, une petite nation, la femme samaritaine. Mais là, vous pouvez parler la femme pécheresse. Quand il t'en dit, Jésus-Christ rentre dans cette maison, il ne peut pas regarder, c'est pas Simon de l'épreuve, une nation, mon père de côté, non, 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 non. Ce n'est qu'un libéré complètement. Il n'est pas venu pour être Simon, pour être sur la case, ou bien manger, boire, non, non. Quand Simon, bon Dieu, Jésus guérit sur la lèpre, Simon content, il invite Jésus à table. Jésus, avec Simon, peut manger à table. Simon le pharisien, le petit nation. Marie maintenant t'en dire que Simon est dans son endroit là, il galopait, 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 il rentre dans cette maison. Quand il rentre dans cette maison, rappelez-vous bien, elle a un bon parfum, Briani, un bon parfum salade, un bon jus à table. Jésus peut manger, Simon peut manger. Cette femme, pécheresse, Marie, la sienne est morte,
Il garde pas, il rentre dans cette maison. Peu importe que le farien de nation. L'insecte dans les pieds de Jésus. Quand il y a 16 autour de la table, non, il est parti en Pesli, rentré, Jésus, parti pour dire non, il passe à table, Jésus, tu crois qu'il y a à table pour manger, boire. Il n'est pas rentré à 6 heures, Jésus, il peut être du bien. Mais non, cette femme, il a sous la table, les larmes du pied Jésus avec ce larme, qui quand il s'est pleuré, il pleurait. Quand il répond, là où je m'en frère, ou objet Jésus, je m'en pas un droit pleurer. Dans tout ministère, comme ça, tout le monde n'a pas un droit de pleurer. Non, pour la première fois, une repentance, l'homme l'a coulé. Après, quand on guérit ou l'âme guérit, arrêtez de pleurer. Amen. L'irreconnaissance envers Jésus-Christ qui pardonne les péchés, t'es mal reconnaissante, t'es mal qu'il y a une grande pécheresse, cela n'est pas capable de tenir. Du toi, tu viens comme Jésus, tu n'as jamais vu. Un homme capable de pardonner ses péchés, guérir, peine encore ça. Mais la personne, mon Dieu, dans la Bible, dire, parfois, nous peut cacher de la vérité, nous ne pouvons pas dire la vérité, mais la vérité peut être dévoilée très bientôt. Hein. Et là, tu vois le contemple de Wadoli. Et là, tu vois qu'elle est passée d'un coriol, tout le monde peut Adoli, peut être fille, peut être frère, maman, j'ai même le fils de Dieu. La Bible dit, nul ne mérite d'être adoré sauf Jésus-Christ de Nazareth, même pas la Vierge. C'est Jésus-Christ qui mérite d'être adoré. Amen. Alors, cette femme pécheresse, qui compte ça. Il s'est servi à Dieu. Il rentre dans cette salle à manger. Il met lui sous la table. Il commence à pleurer. Capable de dire un robinet l'homme. Robinet. Une coulée. Jésus se les pieds mouillés complètement. Maintenant, qu'il peut faire? Que par votre servier. Il prend ce CV. Il souille les pieds de Jésus. Deuxième. Troisième, finis sur une propre là. Il n'est pas fini, arrête, embrasse les pieds de Jésus. Et que cela crasse sa salive. Il embrasse les pieds de Jésus. Il a envie de dire merci. Il n'a plus grand que toi. Moi, plus petit, pas moi, de te les pieds, Seigneur. Moi, pas fini de toi, merci. Pas fini. Quand il dit bien embrasse les pieds de Jésus, il dit c'est un parfum qui coûte bien cher. Ça même qui dit quand on donne bon Dieu le meilleur, ou à béni. Alors, on a un parfum qui coûte cher, un parfum d'albâtre, une bouteille de parfum. Mais il prend ça, il vide l'eau de Jésus. Quand il vide l'eau de Seigneur Jésus, parfois il répand partout, une onction. Extra la salle, il béni. Parfois là. Les rangs de Jésus ne peuvent pas tenir. Jésus dit comme ça. Tiens, Simon, mon guérisseur, la lèpre, oui. Tu invites-moi à table pour manger, boire, pour bien content. Mais Simon, regarde cette femme. Il va me faire comme toi. Regarde cette femme, Simon. Il va me finir arrêter vers ce l'homme. Il va me finir arrêter sous mon pied que ce CV. Il va me finir aussi caresse mon pied que ce salive. Simon, toi, tu vas un petit peu l'onction d'huile, tu vas être capable de me la tête. Terrible, hein? Qui fait lui dire ça? C'est que Simon le trouvait et que ce lisier, la femme pécheresse, c'est une vilaine parfaite sur la tête. Ça, Simon le trouvait. Simon Pangeli, il va te prendre comprendre les larmes aux pieds avec ce l'homme, une suive aux pieds avec ce CV, une caresse aux pieds avec ce salive, toi-même, tu as un parfum là-haut, là aussi, tu n'es pas capable de faire. Tandis que cette femme, l'île vraiment, adore-moi, il célébrait-moi de tout son cœur et de toute son âme. Tout son cœur, toute son âme. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ton cœur, toute ton âme? Qui veut dire, sa larme, là, quand il sortit, dans ce disant. L'âme pas sortie en dehors sur les corps. Non. L'âme sortit en dedans sur les corps, dans ce disant. Bien rare qu'il l'âme sortit, ou il sortit dans l'âme. Quand on a une blessée, d'une malgré tout, où l'âme coulait. L'âme sortit dans l'âme. Ce CV que tu sortis, ce CV sorti de ce disant. Ce salive la casse que tu sortis, ce la casse sorti de ce disant. C'est un qui appelle aime ton Dieu de toute ton âme. Il compte en moitié que ce l'âme et que ce l'équerre. Profondément. Amen. Alors,
J'ai dit, tiens, Simon, regarde cette femme. Jésus fait un compliment pour Marie. Il bénit Marie. Et ça, c'est ce qu'il fait faire. Maintenant, on va dire quelque chose très clair, très net. Si vous parlez comprendre combien il y a pourtant notre âme, il y a un sorcier, une sorcière qui connaît ce que l'âme. Est-ce qu'il vous connaît? Un sorcier, il gagne une transpiration d'un moussoir, il est capable de faire la sorcellerie du tuyau. Un sorcier, il gagne un brin CV, il est capable de faire une sorcellerie que ça CV là. Un sorcier, il gagne une zone, quoi zone sorcier? Il a dit ça, il est capable de sorcier avec ça. Si vous ne le comprenez pas, sorcier là, il connaît, il est capable d'attaquer l'âme du monde. Il ne va pas tout. Il va tuer un coup trop sur Bougaïli, ou un petit prison, mais il attaque ou l'âme. Mais c'est lui ou celle qui se lame, il guérit. Quel est l'état de ton âme? Comment vous étiez dans la case? Il y a certains quelqu'un qui m'a admiré. Il y a tout le pied dans la planète Terre. Il y a tout le pied dans Maurice. Papa, il y a dans l'Inde. Dans l'Inde, il y a le mot là-bas. Et dans l'Amérique. Grand docteur, médecin de médecin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous êtes dans Jésus, vous ne pouvez pas partout, partout. Vous cherchez tout d'abord le royaume de Dieu. Vous regardez Jésus. Pas des fans, vous êtes docteur. Non, non, non. Non. Vous regardez Jésus d'abord, de tout l'âme, de tout l'esprit, de tout le cœur, cherchez-le. Hein? Et là où le corps pour guérir. Vous ne pouvez pas être docteur. Mais si par hasard, et vous priez de tout le cœur, de tout l'âme, vous chantez un peu tout, seulement, mais vous pouvez chanter avec la lèvre. Les là, on peut guérir même où la foi pas bien déclenchée, ou alors un docteur, mais comme le vous. Docteur là pour calmer aux maladies. Mais Jésus-Christ pour déraciner aux maladies. Amen. Aux maladies pour déraciner. Quand on connaît Jésus-Christ de Nazareth. Alors, laisse-moi dire vous, commandement, premier commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Dernier commandement, ne pas convoiter, pas besoin de jaloux. Camion, ton camarade, bis, ton camarade, la case, ton camarade, souliers, ton camarade, linge, ton camarade. Amen. Pas besoin de jaloux. Et ses animaux, ses servantes, ses maris, ses femmes. Non, non, non. Au moment où tu convoites ce qui va pour toi, tu l'âme malade, un grand péché à pécheresse, et tu parles de l'enfer. Amen. Mais nous sommes enfants de Dieu, peuple de la terre. Si nous connaissons ce que l'âme, nous retournons dans l'âme et dans l'émotion, dans les sentiments, dans les sacrés. Il y a la tracas, il y a la tristesse, il y a une blessure dans l'âme. Tout ça capable d'être guéri dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Quand saint avec mon Dieu, on guérit. On ne guérit pas trop ailleurs. Non, non, non. On ne peut pas dire tout. Il y a certains médecins. Il en met du monde. Puis un roulement avec du monde. Allez, venez, tout cas, des histoires. Dans l'histoire qui m'a le médecin raconté par un découragement où la vie n'a pas guéri. Et là, le médecin, où la vie est arrivé, où la maladie est plus grave. Par exemple, la femme perd de sang. Il y a tout médecin, son cas finit empiré. Avec la Bible, Marc chapitre 5. Il y a plusieurs médecins, plusieurs places dans les son cas finit empiré. Jésus-Christ qui guérit la femme perd de sang pour les 12 ans de bâtir. Qui fait? Les sinistres vont dire tout cela. C'est l'action qui fait tout cela. Mais c'est pas en Christ. Laisse-moi dire où. Nous connaissons un grand, grand bon Dieu. Sa grand bon Dieu, là, il est magnifique, extraordinaire. Il est tout seul capable de guérir l'âme. Mais personne d'autre que lui. Alors, premier commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout l'esprit, de toute l'âme, et à tous les corps pour bénir. Et dernier commandement, pas convoiter. Amen. Et maintenant, dans le troisième épître des Jean. Vous connaissez ça, le troisième épître de Jean, il dit « Bien-aimé !» Ça dit ça? Jean peut dire ça. À travers la puissance de Jésus. « Bien-aimé !» Moi, Dieu même peut dire ça. Mon Dieu appelle nous bien-aimés. Qui mon Dieu dit? Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Qui s'en a comment dire où ça? Mais la personne dans la terre, capable de dire où, qui te prospère, qui te soit en bonne santé, qui te l'esprit, que l'âme, te l'éco guérit, que l'âme,
comme prospérer l'état de ton âme. Si Jésus dit ça. Amen. Si c'est qui s'est même guéri l'âme. Jésus. Jésus guérit l'âme. Personne d'autre que lui. Amen. Bien-aimé. Troisième épître de Jean après Hébreu. Quand qui dit que lui Hébreu, ou bien Isaac, ou bien Pierre, ou bien Jean. Et dans le premier épître de Jean, deuxième, troisième, cinq, ça pizza. Troisième épître, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé. Comment? Comme prospère l'état de ton âme. Il n'y a pas de moment de guérir ton âme. C'est maintenant que tu as l'esprit et que tu as le corps guéri. L'âme en priorité. Médecin des médecins appelle Jésus-Christ, il guérit l'âme. Il tient sa grain, il tient tracas, il tient que le sentiment puis blessé, et ou l'émotion, il tient tout ça. Il rend nous puis, ou bien la joie du Seigneur, c'est ma force. Amen. Quand vraiment où l'âme guérit, vous sentez pour bon Dieu, sa santé là, il peut une valeur devant l'éternel Dieu. Amen. Alors, mes chers frères en Christ, nous sommes en cantique, vous préparez la Sainte Seine. La joie du Seigneur, c'est ma force. Prépare-vous la Sainte Seine. Amen. La joie du Seigneur, c'est ma force. 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 Tu veux savoir? Si tu veux savoir, il te faut chanter. Si tu veux savoir, il te faut chanter. Si tu veux savoir, il te faut chanter. La joie du Seigneur, c'est ma force. Ma bouche est pleine. Ma bouche est pleine de rire. Ah, 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 ah. Ma bouche est pleine de rire. Ah, 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 ah. Ma bouche est pleine de rire. Ah, 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 ah. La joie du Seigneur, c'est ma force. Vous chantez, dansez, louez, célébrez. Quand l'âme guérit. Mais c'est pas en crise, chaque dimanche, nous ne pouvons pas où les temps. Seulement une temps. Vous pouvez remarquer, chaque message, une adoration à nous faire, trois cantiques et nos messages dans une heure de temps et nous libérons. Après une heure de temps, vous êtes capable vraiment de résurer dans le Seigneur. Amen. Donc, préparez-vous la Sainte Seine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour prier. Père très saint, je te bénis tout à chacun et chacune, papa, car vraiment je commence toutes les causes pour voir te disant, Seigneur, une grande, grande promesse de te dire, avant que tu allons la croix, te tirons tout de ma disciple, tous les disciples à table. De dire, faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, il est symbolique. Faites ceci en mémoire de moi. De tu prends vraiment du pain, de tu briser sans les levains, et aussi tu prends jus de la vie, du raisin. Seigneur, de tu verser, de ceci mon corps et ceci mon sang. Alors que ça doit dire, tu vois, papa, en ce moment-là, tu comprends. Mais quand tu as l'eau la croix, tu finis bien te disant que les corps ne déchirent pas, que les corps ne tombent de la terre. Là, je ne comprends que je vais manger tous les corps, je vais boire te disant. Tous les corps, c'est le pain de vie. C'est la parole de Dieu. Il te dit, Seigneur, c'est un breuvage qui a renouvelé la vie éternelle. Seigneur, te disant, fais une chance nous, il purifie nous disant, car tu te disant dans nous disant, il n'y a aucune maladie. Papa, me loue toi, me loue toi, me loue toi, que tout ça, que ça passe à la Sainte Seine maintenant même. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Me bénisse dans le nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Très bientôt, nous pourrons rencontrer dans l'Église. Amen.